Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo dans laquelle je vais devoir finir Minecraft en F1. C'est un défi que vous pouvez tenter de réaliser chez vous également. Vous avez juste à cliquer sur la touche F1 de votre clavier et vous ne verrez plus vos mains, votre curseur, les coordonnées, votre vie, votre bouffe et votre hotbar. Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'un mot secret se cache dans la vidéo qui vous permettra de participer, si vous le trouvez, à une tombola géante où vous pourrez gagner des lots uniques comme du stuff gaming, à savoir clavier, casque, souris, mais également des comptes Netflix, Spotify, Minecraft, Wakanim, etc. Mais également des cosmétiques Balion Client, Lunar et bien d'autres encore. Lorsque vous trouverez le mot secret de cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur mon Discord et de mettre ce fameux mot dans le channel portant le même nom. Le tirage au sort s'effectuera à la fin du mois de novembre, ce qui signifie que ceux qui trouveront tous les mots secrets de toutes les vidéos du mois de novembre à partir du début du concept, c'est-à-dire la dernière vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le mot secret de celle-ci, vous pouvez cliquer sur le bouton qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Et spécialement pour cette vidéo, je vous fais gagner un compte de votre choix, c'est-à-dire Netflix, Spotify, Minecraft, etc. Pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre dans les commentaires le nombre de fois que je suis mort dans cette vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Les amis, c'est parti. À partir de maintenant, le défi commence. On se met tout de suite en F1. Je vous rappelle que j'aurai durant toute la partie uniquement le droit d'ouvrir une fois mon inventaire dans chaque dimension, puisque lorsque je l'ouvre, ne vous en faites pas, je vais pas me griller maintenant, je vais pouvoir voir ma hotbar. Les amis, on a un sérieux problème. On vient de spawn directement sur une petite île déserte, mais j'ai vu là-bas au loin du bois, donc on va tout de suite aller là-bas. Donc voilà, nous arrivons tranquillement sur cette île. Comme toute aventure sur Minecraft, je vous rappelle que le premier objectif est de trouver du bois et surtout de la nourriture. Évidemment, encore une fois les amis, si le défi vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et surtout à me proposer en commentaire vos défis pour les prochaines vidéos. Là j'entends tout de suite un petit cochon, let's go, on va pouvoir prendre notre bouffe. Alors là, on a les problèmes qui commence, vous voyez, j'ai pas du tout réfléchi où est-ce qu'était mon bloc de bois. Bon, normalement il est dans mon premier slot, si Minecraft est bien fait normalement. Alors là vous voyez, je viens directement de griller mon premier joker. Évidemment j'étais obligé de passer par là, mais à partir de maintenant j'ai crafté tout mon bois. Les amis, on n'a plus le droit d'ouvrir mon inventaire. On va crafter un maximum de tables de craft, comme ça on n'a plus à faire de table, et on va poser directement cette table de craft. Elle est où? Elle est dans mon deuxième. Je l'ai mise où? Je sais plus, je sais pas, j'ai oublié dans quel slot je l'ai mis. Je vais faire tous mes slots, hein. Je vais peut-être trouver au bout de... Ah, c'est bon, j'ai trouvé, je sais pas dans quel slot il était, mais j'ai trouvé. Alors là, je peux ouvrir mon inventaire grâce à ça. Évidemment, on va pas abuser, on va s'en servir uniquement pour craft quand on sera dans le besoin, évidemment. À partir de maintenant, on va tuer tous les animaux qu'on a. Donc là, si je me suis bien organisé, normalement, ma bouffe dans mon troisième slot. Je pense que le plus compliqué, les amis, très honnêtement, je pense que ça va être la partie fight, hein, quand on va devoir se battre contre des mobs. Parce qu'on va tout simplement pas pouvoir gérer notre barre de vie. On va pas pouvoir gérer avec quel item on tape. À tout moment je me suis trompé et je tape avec un seau d'eau par exemple. Ça peut être terrible. Évidemment on est avec Minecraft de base, donc il n'y a pas de mode pouvoir dans les caves. Donc là les amis, on est de retour comme à l'ancienne. On va devoir mettre des torches. Là les premiers ennemis sont là. Bon, il fait jour. Des loups. Vous pensez que je peux mourir contre des loups? On va tester ça de suite. Parce que pour le moment, oula, je sais pas combien de... On fait un test. Je sais pas combien ça enlève de cœur un loup. Ok, ça va. J'aimerais bien voir combien de cœur on a. Mais bon, c'est le jeu, justement, on va pas regarder. On va essayer d'aller rapidement en cave. Oula, c'est quoi ça? Alors, attendez les amis, parce que je suis en découverte. Pourquoi... C'était quoi ces items? Ok. Oh putain. Oh! Oula. Ok, bon, merci le creeper, t'as fait le taf. Tout va bien. Encore un creeper. Qu'est-ce que c'est? C'est du diamant? Désolé hein, les amis, je suis en full découverte. Qu'est-ce que c'est que ce minerai? On va essayer d'être full fer pour éviter un maximum de dégâts évidemment. Et après on va aller dans le nether. Hop les amis, je me suis posé, j'ai fait cuire un maximum de fer. Maintenant je peux récupérer mon petit filon de diamant tranquillement. En tout cas, en parlant d'armure, je me suis aussi mis full fer. Je pense qu'on va faire le portail du nether ici et on va foncer dans le nether, hein. Ok, donc on peut y aller les amis, c'est parti. On va dans le nether. Ok, alors ok, bon, le nether, le spawn, c'est une catastrophe. Mais j'ai le droit d'ouvrir une fois, moi. Ah non, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, n'oubliez pas que je suis en découverte, moi, parce que je ne connais pas tout ça. Wow. Oh, mais attendez. Il y a un monde dans le nether où il y a des Enderman. Mais attendez, mais c'est parfait, parce que il faut aussi qu'on farme, évidemment, les Enderman. Je comptais faire ça. Oh, on va essayer de pas mourir. Oula, je sais pas à combien je suis en vie, là, mais je dois pas être très, très bien. Est-ce que je pourrais pas manger? Non, non. Ah.
J'ai lancé mon Nether Pearl. Pas comme ça, les amis. Pas comme ça. Oh non, respawn à cet endroit. Je peux y retourner. Je sais exactement où c'est parce que j'ai pris une cave. Je sais exactement où c'est. Donc déjà, je pense qu'on... C'est par là-bas, non? Déjà, j'ai réussi à retourner ici. On retourne très très vite dans le Nether. Et je vais rush pour retourner là où on était. Oh, c'est bon. Je vois mon XP. Oh, par contre, il m'attaque, lui. Aïe! Non, 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 non. Je veux pas mourir. Je vais pouvoir ouvrir mon inventaire une fois ici. Ok, alors... On va ce stuff, on va tout mettre dans l'ordre, parce qu'après je n'aurai plus le droit de réouvrir. On peut essayer d'aller retourner, prendre, pourquoi pas, des Enderman. On va essayer de farm les Enderman, hein, les amis, et pas refaire la même erreur, évidemment. Là, il faut faire encore plus attention, parce que je n'ai plus de partie en fer. Je pense qu'on est très mal en vie. Pas refaire la même erreur, évidemment. A few moments later. C'est là, c'est bon. Ok, mon assassin est là-bas. Il faut éviter de fight les Enderman pour le moment. Je pense qu'on va se focaliser sur la forteresse, les amis. Je sais pas si c'est que dans ce biome-là, mais ça fait vraiment un petit moment que je cherche. Mais heureusement, je viens de trouver ma première forteresse. Donc là, on va essayer de trouver un spawner à Blaze, évidemment. Et on va farm, hein, tout simplement. Ok. Ok. Ok, parfait. On a réussi à les tuer. Ça spawn. On va essayer de pas se faire taper. Allez, ok, parfait. On en a au moins une. J'ai déjà ouvert mon inventaire, donc je ne peux pas savoir. Je peux par contre poser... Ok, ça, avec ça, je peux regarder. J'en ai deux. Ok, j'en ai deux, très bien. On peut encore en prendre. On va en prendre au moins 20. One eternity later. J'en ai 24. Bon, 24 en vrai, c'est plutôt pas mal. On va essayer de retourner là où il y avait tous les Enderman. On va essayer de farm à cet endroit-là. On va pas prendre de risque, je vous le dis, je vais le faire comme à l'ancienne. On va les attirer en regardant dans les yeux. Sauf que là, je vois pas trop si je les regarde dans les yeux ou pas. C'est le problème du F1. Voilà. Ok, parfait. Ok, bon les amis, je pense que j'ai pas mal farm. Il y en a encore plein devant. Mais on va voir combien on en a. Ok, très bien. Alors j'en ai... Oh, parfait. J'en ai 16 et 3. Donc je pense qu'on va sortir du Nether, les amis. Je crois que c'est par ici. Je suis pas du tout sûr, mais je crois que c'est par ici. Le portail est là. Ok. Je peux manger. Très bien, on ressort et on va essayer d'aller en haut trouver le stronghold. Ok les amis, on est à notre surface de tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre table de craft. Alors, je sais pas du tout lequel c'est. Non. Ok, c'est bon, on a trouvé. Il me semble que c'est ça, ça et ça. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on trouve évidemment le... Ah, il est parti là-bas. Ok, parfait, on a de la chance. On arrive à un moment critique où il me reste que très peu de perles, que j'ai fait énormément de chemin, donc je sais pas exactement combien il m'en reste, mais je pense qu'il m'en reste 2, 3, 4 maximum. Donc c'est toujours par là-bas apparemment. Ok. J'espère que c'est dans pas trop longtemps, parce que sinon ça va commencer à être terrible. Il est où? Minecraft, commence pas à bugger, s'il te plaît. Oh là, attendez les amis, on tient peut-être un truc. Je vais me mettre ici. J'ai pas envie de tout gaspiller, j'ai de la chance, donc attendez. Je vais voir si en me mettant là, il continue à aller sur la droite. Ok, mais les amis, je crois qu'on a trouvé. Je crois que là-dessous, les amis, on a un stronghold. Vous ne voyez rien, je sais, je suis désolé. Ah, bah voilà, parfait, ok, vous allez commencer à voir, on voit de la lumière. Stronghold, let's go. Bon, mon sens du HC player veut voir, les amis, le coffre. Oh. Power 4, Power 3, Protection 3, pardon. Incroyable. Mais attendez, pour le dragon, on a des... Mais attendez, mais voilà. Let's go, l'arc power 4. Je me baladais pour chercher des flèches, les amis. Au final, je crois que j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai récupéré 5 à peu près, 5-6, je pense. On va y aller comme ça au talent. C'est la première fois que je vais affronter le dragon de cette version. Au-dessus d'un point 8, j'ai jamais fait, donc ça va être une totale découverte. On est juste parti, les amis. J'entends le dragon. On a 13 flèches. Je vais mettre mes enderpearls ici. Faut vite s'organiser. Oh, j'ai toujours pas... Putain, mais je suis bête. J'aurais pu me faire quand même un bas. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ok, le dragon est là-bas. 13 flèches, il faut pas se rater, les gars. Alors, ça va être très compliqué parce que j'ai pas le curseur, en fait. Ok. Ok, une. Ça, on va aller les casser à la main. S'il me pousse, je suis mort. Ok, je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts, ça. Ok. Ok. Ok, parfait. Parfait. Ok les amis, je lui ai enlevé tous ces trucs. Donc maintenant il va falloir qu'on le tue. Les Enderman le focus, je sais pas pourquoi. Ok, il vient se poser. Est-ce que les Enderman le tapent? Ok, non, ils sont boxés. Ah!
Je ne vais pas pouvoir recommencer les amis, c'est un échec. Parce que tout simplement, je ne peux plus retourner là où j'étais. Parce que je ne sais tout simplement pas où j'étais. Je n'ai pas les coordonnées en F1. Écoutez, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'était très compliqué. Déjà, vous avez vu que je suis mort plusieurs fois. On ne voyait pas la vie, on ne voyait pas le curseur. Je ne savais pas où viser, je ne savais pas quand manger. En espérant qu'elle vous aura plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Dites-moi surtout dans les commentaires quel défi je pourrais faire dans une prochaine vidéo. Merci encore à toutes et à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Megaphil, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.